notre workshop les nouveaux métiers du digital. Alors, si je peux avoir ma connexion. Voilà. Ben. Alors, ben, ceci est un workshop. Là, je vous affiche un peu. Là, on Donc ceci est un workshop, nous allons l'animer ensemble. Donc il va y avoir énormément d'interactions en binette Brown. On va commencer par nous présenter brièvement El Mohamed Hamemi, l'Erdemfi DDB Tunis en tant que planeur stratégique. Ce que je suis en train de faire, fait l'agence interne, c'est que je crée des stratégies 360 intégrées, alliant ce qu'on appelle online et offline dans le cadre d'une stratégie globale pour la communication des marques. Et Kelly Kik, qui pourrait se présenter brièvement. Je suis son partenaire à DDB, malheureusement, en tant que directeur de création. Et donc c'est ensemble que nous mettons au point la communication pour les marques que nous, dont nous sommes responsables et pour leurs produits. Donc aussi à travers tous les médias, toutes les plateformes, qu'elles soient online ou bien offline. Voilà. Donc, la BDOCA, pour faire un petit tour sur le contexte actuel de Flaral. Donc, nous avons 4% utilisateurs de mobile unique depuis, de progression d'utilisateurs mobile unique depuis un an. Nous avons 60% des salariés qui jugent la stratégie digitale de leur entreprise être en retard. Il y avait un hajj qu'on va aborder tout à l'heure. Nous avons 80 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020. Ben, 80, milliards. 80 milliards d'objets connectés dans le monde en 2020. Il y a combien de terriens ? Il y a combien de terriens sur Terre ? On est 7 par suite. Donc si on fait le calcul, il y a 10 objets. Il y a 10 objets connectés en moyenne pour chaque individu sur Terre. En anglais, sachant qu'il y a beaucoup de différences entre les pays développés et les pays en voie de développement. Voilà. Donc qui roule objet connecté, il y a un objet qui peut se connecter à Internet ou qui peut se connecter à une autre machine centrale et est connecté à Internet. Ça comprend les frigorifiques, ça comprend les imprimantes. Bien sûr, les montres connectées, les imprimantes, etc. etc. Mais on a plus de 8 millions de tools d'abonnements Internet. On a 88% des 18-29 ans qui se connectent régulièrement à Internet. C'est un chiffre énorme. C'est un des chiffres que vous avez dans le monde. Ouais. On a 46% qui se connectent pour entretenir le réseau social. Plus de 7 millions sont abonnés à Facebook, à Dansa Otafou, plus de 2 millions sur Instagram. On a plus de 15 millions de vidéos visionnées au Lyon à la YouTube. En Tunisie. Donc, Tao Akadin Haoul Ma'abad, nous avons une notion très très importante. Il ne faut pas parler de digital, justement, il faut parler de digitalisation. Enfin, on va parler de digital. Mais qu'est-ce que le digital? Le digital est une application. Le digital est un outil. La digitalisation. La digitalisation des process, la digitalisation des métiers, la digitalisation de l'industrie, etc. etc. Donc, je vais essayer de l'analyser. Où est la vidéo? Voilà. Vous avez une idée sur les smart homes? Oui. Je connais une chose qui m'a donné une lampe sur qu'est-ce que c'est qu'un smart home. Les éléments qui sont connectés. D'accord. Et qu'est-ce qui rend cette maison smart? C'est la connectivité ou la haja? Qu'est-ce qui la rend intelligente, cette maison? On peut y accéder à distance et programmer tout à distance. On peut programmer. On peut programmer des mécaniques entières. On est la clim, etc., 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 etc. Tout devient programmable. Je
On a des vidéos qu'on voulait vous montrer, justement par rapport aux maisons connectées. Mais, ah, on va vous faire un bras, on va vous faire ça. My friend came over and pointed out that the fire alarm was beeping. I was surprised. I didn't know. I was cooking in the kitchen and my friend's daughter fell down the stairs and got hurt. She was crying out for help. I had no idea what was happening. Il s'agit d'une innovation technologique dans le service justement de Smart Home et l'archéologie. Il s'agit aussi d'une innovation créative. Grâce à elle et grâce à d'autres innovations créatives, il y a des compétitions internationales qui s'orientaient uniquement vers la créativité. Kima Festival de Cannes qui avait son festival de la publicité créative. Eli Hawa, voilà, il s'oriente justement vers ça et qui a créé la rubrique Innovation and Technology. Donc aujourd'hui, l'Iqadin Choufi Hedek a gagné un prix à Cannes, justement. C'était le grand prix dans la catégorie innovation, dans les Cannes Lions. En fait, le case en lui-même, le produit en lui-même, ils sont partis du postulat qu'un sourd qui habite seul chez lui est en grand danger parce qu'il n'entend pas des choses qui peuvent arriver. Par exemple, un sourd, sa fille tombe, il ne va pas l'entendre pleurer. Un sourd, l'alarme de l'incendie sonne, il ne va pas l'entendre sonner. Donc il va se rendre compte du problème de sa fille qui est tombée ou bien de l'incendie qui est en train de brûler la maison au dernier moment. Donc, ils ont mis au point un appareil connecté avec la smartwatch ou le téléphone portable, le smartphone de la personne, qui envoie des messages. Donc c'est une application qu'ils ont mis au point. Donc il y a un appareil dans la maison. Cet appareil est connecté à une application qui peut être téléchargée soit dans le téléphone, soit dans la montre, soit là où on veut. Cet appareil reconnaît les sons, notamment de ce qui peut être dangereux dans une maison. Comment ils ont fait ça? Maintenant, au début, ils se sont dit, putain, on a besoin d'énormément de sons, où est-ce qu'on va trouver tous ces sons? Le son d'un chien qui aboie, le son d'un chat qui miaule, le son d'une fille qui pleure, le son d'une alarme incendie, etc., etc. Après, ils se sont rendus compte qu'en fait, sur Internet, il y a une source énorme de sons,
une source infinie de son qui est YouTube. Parce que sur YouTube, il y a plus d'un milliard d'heures de vidéos. Un milliard d'heures de vidéos sur YouTube. Donc, ils ont pris les sound samples de YouTube qu'ils ont associés. Pour chacun des sons, ils ont pris environ 70 sound samples qu'ils ont associés dans avec l'application au son d'un animal ou bien au son d'un danger. Et c'est ce qui leur a permis de donner vie à leur idée qui est d'avertir. C'est-à-dire qu'au lieu que les sourds vont entendre le bruit, les sourds vont voir le bruit. De façon à ce qu'ils puissent être alertés à chaque fois qu'il y a un danger chez lui à la maison. Et quel est. Et donc, ça nous montre qu'en fait la technologie n'est pas simplement une histoire de prouesse technologique. C'est pas simplement quelque chose qui est là pour vraiment pour frimer avec le dernier iPhone ou bien le dernier Samsung, mais c'est vraiment quelque chose qui peut venir en aide aux gens dans la vie de tous les jours. C'est quelque chose aussi, la technologie, qui peut sauver des vies. Et là aussi, l'intérêt aussi de ce case, c'est qu'ils ont utilisé à la fois la data avec YouTube et des innovations technologiques en inventant l'appareil. Et bien sûr, une grande partie de créativité dans justement la recherche et l'idée. Que les gens ont souvent tendance à confondre la créativité et l'art. Pour être artiste, il faut être créatif. Mais la créativité est nécessaire à tout le monde. Un plombier doit être créatif, n'importe qui doit être créatif s'il veut réussir et s'il veut apporter des innovations. Exactement. Tawashon, le procédé qui a été utilisé justement pour recenser et pour apprendre pour que le software de cette machine apprenne justement les sons et puisse donner les bonnes notifications pour les bons sons. Je connais la Zumiartine, Rietral, Vidéo, Marish Kansmanter. Machine Learning. Voilà. Donc, on a vu une application intelligente et créative de Machine Learning justement. Machine learning, il peut nous permettre, justement, des solutions qui méritent. Le boîtier et le device en soi, ce n'est rien du tout. Ce n'est pas une innovation technologique. La recherche derrière, le développement qui a été utilisé, les procédés qui ont été utilisés, c'est ce qui a permis de créer cette solution-là. Et cette solution-là, c'est une solution qui est à portée de tous, comme كيف نعمل نحن كيف عند الامريكان كيف عند n'importe qui. Ce n'est pas un outil compliqué, ce n'est pas un gadget très sophistiqué, mais c'est une solution très très intelligente et qui est à la fois technologique et créative. Mais tout le monde a entendu parler de Tesla, ça la voiture autonome, etc. Aujourd'hui, il n'y a pas que Tesla dans cette course-là, il y a tous les constructeurs automobiles qui vont vers la voiture autonome. Demain, le KS interne, un petit peu, les hajas offrent complètement. Et Fios, le KS réveille, tout va changer. La façon de vivre des trajets internes, la façon de communiquer, moi, Carab interne, la façon avec laquelle Carab interne, je vois, les aides à connecter. Et la connectivité, je n'ai pas des opportunités pour nous, les jeunes créatifs et les jeunes, technologistes, je n'ai pas des perspectives pour innover. Demain, la pub sera revue autrement. Via la technologie de geofencing, etc. Aujourd'hui, vous devez savoir que les plus gros constructeurs automobiles dans le monde, Cardin et Sarp, font des conventions avec les plus gros opérateurs téléphoniques et les plus gros constructeurs de téléphones mobiles IT, que ce soit Samsung, voilà, Apple, etc., via leur OS. Aujourd'hui, on a des voitures, iOS ou faire Android ou faire d'autres types d'OS ou la compétitivité qui nous a offert dans les téléphones mobiles, je dois faire le crabe via des softwares. Software qui fait ou les solutions que la voiture apporte. La mobilité est la base de tout.
معناها كان نحن اليوم عنا اللي يكسب كرهبة هو اللي هو كل شيء نعرفش كان فيكم يعرف سكيا كم سوليسيون دو موبيليتي دون لو موند اختارنا من اوبر و وكريم اتسيتيرا اتسيتيرا مي نحكي حتى باغ اكزومبل على لوتر بو دو لا ميديتيراني كيفاش انك تنجم تتحصل على كرهبة اون اون مينوت معناها توا في بلايص كيما بلجيكا وفرنسا والمانيا اتسيتيرا فما دي باركينغ خاصين للعباد نتاع certaines municipalités, par des cabonnements qui vont dans le métro, tu te dis, tu as un cabon, 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 ce n'est pas la vraie valeur de ton cabon. Aujourd'hui, ce qu'on cherche à faire le cabon, c'est la mobilité. Et les constructeurs automobiles cardiniers font la carrière, qui m'a par exemple le groupe Volkswagen, il s'associe à un groupe qui m'a Hertz, c'est-à-dire c'est un groupe de location de voitures. Lyon qui est un chien de chargé, où tu fais un acte automobile, je t'en parle, les barres d'un acte de Zabt, moi je barre d'un acte, ma femme à l'enseigne est à Hertz, qui est aussi d'un acte, elle est un acte, le représentant officiel de Volkswagen, c'est Tools. علاش انت يا كونستركتور دوتوموبيل تو تاسوسي الوحده نتاع لوكاسيون نتاع كراب على خاطر اوجوردي اون ne vend plus de voitures, on vend des solutions de mobilité. Et qui dit solution de mobilité parle aussi de ça. معناها بلغه اخرى aujourd'hui هذا قاعد يتفتفت بشويه وقاعد يتحاول المونديله وقاعد يتحاول الكرهبه وقاعد يتحاول برشا حاجات باش في الاخر بالكل نحن ما عادش نبدا هذا فوقنا مي اون ديفيان ا 100% كونيكتي لا اون اي. Il y a peut-être un petit écouteur l'année, il y a pas car. C'est tout. Lunettes interne. Savoir le carburant interne connecté, dar interne connecté, et c'est ce qu'il faut qu'on atteigne un jour ou l'autre. Mais vert n'était que le bridge à un moment donné. Je ne sais pas mon à quel point on peut être mobile. Et il a atteint son objectif. La vraie innovation technologique sera le jour où Heather va disparaître. Où Heather va disparaître dans les prochaines décennies. Mais vous savez très bien que aussi dans la médecine, on parle d'Instarm, des technologies justement, chirurgie, par d'Instarm, on des technologies qui étaient réservées aux gamers, qui est malviable. Aujourd'hui, on est en train de les utiliser pour la chirurgie. Il y a des opérations chirurgicales qui ont été faites avec de la réalité virtuelle. Side depth cast, à des centaines de kilomètres. Le patient est à 500 km ou à 700 km des médecins, et les médecins avec des chirurgiens avec la réalité virtuelle et les casques via tout ça sont en train de l'opérer alors que la distance est énorme. Ouais. Voilà. Et avec précision. Yes. On va se projeter un peu dans le. Dans la magie de la technologie créative. On a un fameux qui est un peu d'utiliser la pensée. C'est tout.
et ça sera suffisant. Et dans la vidéo qu'on a vue ici, c'est en train de jouer au foot en fait. Ils étaient en train de jouer au foot, mais uniquement par leur pensée. C'est-à-dire que le ballon, ou bien ce qui leur servait de ballon, était connecté à travers le tout, je ne sais pas quoi, à l'appareil qui traduit la pensée en mouvement. Et si vous essayez de trouver sur YouTube, ils ont un site aussi, etc. Ils font la même chose avec la musique, par exemple, avec la musique électronique. Ils sont en train de créer de la musique électronique sans toucher à rien, juste avec la pensée, etc. etc. Donc ça, ce sera probablement le futur, hein, ce qui aura lieu après le digital, lorsque, comme disait Herman tout à l'heure, qu'on n'aura plus besoin de ce téléphone. Ça sera là, on n'aura plus besoin que de la pensée. Pour agir, pour dessiner, pour écrire, pour envoyer des messages, pour recevoir des appels. Tout le monde sera Jedi. Marner Alioum, quel âge on est 1 milliard pour 80 milliards d'objets connectés, et on n'est pas en train de voir là, des objets connectés, mais il y a 10 fois plus d'objets connectés que d'êtres humains dans le monde. Alors que l'émergence des objets connectés n'a pas vraiment eu lieu, Marnera Tawa. Imaginez ce que deviendrait le monde, Marnera, dans 10 ans, ou voilà, dans 15 ans, ou voilà, dans 20 ans. Le monde, l'être humain, déjà, veut se débarrasser des objets. Et c'est ces objets bidons qui vont le débarrasser d'objets, Marnera. C'est des objets qui vont devenir de plus en plus petits, de plus en plus subtils. De plus en plus intégré dans son etc., jusqu'à ce que la technologie devienne omniprésente. Sans Google, on met au point un tissu qui peut servir à transmettre l'information. Je connais là, je vais prendre qu'est-ce qu'un drone à l'air. Voilà, Delfman, Atina Hazor. Oui, Amazon, tu France, a annoncé des offres d'emploi. Et des Roma comme ceci. Spécialiste de la livraison de colis par drone. Descriptif du métier, le dronadaire gère le trafic de drones, des dronadaires ou drones de livraison. Donc Amazon a un nouveau métier, le dronadaire, par des pilotes qui font les drones de livraison par Amazon. Vous avez tous une idée sur la force d'Amazon et la puissance de frappe et la propagation d'Amazon. On vient tout juste de rater la chance de l'avoir fait tourner. Le dronadaire est un des métiers émergents aujourd'hui. Les législations sont en train de devenir de plus en plus renforcées, alors que normalement, les amateurs, les drones, etc. Un jour ou l'autre, le switch va venir. Ça a été des obstacles sur les 20 dernières années, surtout au type de technologie. On est à Kenfibel, comme tout, l'iPhone, Manata, ou chez Carrefour, ou chez Géant, ou chez iSpace, ou chez iStore, en même temps que l'enquête internationale. La distribution est majoute. S'ils savent qu'il y a le besoin en Tunis, c'est parce que le système administratif tunisien a la lourdeur, a le manque de savoir. Justement, on lance des initiatives pour. On ne fait que râler là en Tunis. On est à l'arabe, les drones, on m'envoie les technologies et les certifications. Les certifications ne sont pas quelque chose qu'on doit attendre d'un président, voilà, d'un gouvernement, voilà, d'un système. Les certifications, c'est des choses que nous, on ramène. Le savoir technologique ou la vulgarisation de certaines technologies, c'est nous qui ramenons ça. Ce n'est pas, on ne va pas attendre.
une administration de Jibel Nanahna, le savoir et les certifications. L'Yum, Blas Akimassel, je vais parler de l'Yum, je vais parler de l'Yum, les Blas Akimassel, pour te léger, par exemple, un iPad ou un iPhone, ils ont été faits, 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 etc. Ça, c'est un système très très vieux. Il est en train de se mettre en place très très lentement et qui pourrait être court-circuité par les jeunes comme nous. Nous lance des initiatives justement pour montrer à l'administration et à l'État qu'on peut avancer vers l'avant, qu'on peut être en avance sur la technologie. Nous savons que les choses pourraient changer plus rapidement. Il n'y a aucun État dans le monde qui a avancé dans les technologies. C'est les jeunes de chaque pays qui ont avancé dans la technologie. L'État ne fait que suivre.